Allez, vous rapprochez, vous vous mettez un ballon pour 3, un ballon pour 4 ou 5, à 2, 3 mètres, 4 mètres. Jonglage, j'en passe et va. Deux d'un côté, deux de l'autre. Jonglage, j'en passe et va. Voilà. Bah, mets-toi là. Ballon sur les extérieurs, deux ballons par groupe. Une grosse satisfaction parce que jouer une équipe qui est deux niveaux supérieurs et gagner, c'est toujours bien. C'est bien pour les joueurs, c'est bien pour le club, ça fait parler de tout le monde. Voilà, maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Il y a un autre tour qui arrive et si on ne le prend pas sérieusement, bah, ce qu'on aura fait avant n'aura servi à pas grand-chose. Donc il faut continuer à être concentré sur ce qu'on veut faire. J'insiste dans votre tête, oui, on n'y va pas, on y va avec nos armes, on est aussi fort qu'eux, voire peut-être meilleur. Bah, la force de ce groupe, c'est son envie de se retrouver, c'est son envie de faire les choses ensemble, et puis c'est son envie de... Voilà, j'ai coutume de dire qu'il y a un ADN, et on le retrouve sur le terrain. Ils se battent les uns pour les autres, et tant qu'il y aura ça, on pourra avancer. Ce qui était compliqué à mettre en place, c'est tout ce qui est le protocole sanitaire, puisqu'on sait quand même qu'on est dans une période un petit peu particulière, où il a fallu la désinfection des vestiaires, il a fallu être les accompagner, parce que dès que effectivement les joueurs quittaient les vestiaires, à chaque fois, il y avait le protocole pour tout désinfecter et tout. Et ça a été quand même assez lourd à mettre en place, mais bon, je pense que ça y est, on est rodé, et puis maintenant, ils n'ont plus qu'à gagner. Là,